Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F1 World Grand Prix 2000 sur PlayStation. Alors que le son me paraît assez fort, je sais pas si c'est normal. En tout cas le son du menu, mais bon, on va devoir faire avec. Hein, comme d'habitude. Donc on a un mode arcade, un mode Grand Prix, un mode général option. On va voir les options déjà pour voir ce que l'on peut changer. On peut voir les crédits, on peut configurer les contrôles, il n'y a pas de son, c'est extraordinaire. Il n'y a même pas de musique en fait dans le menu, c'est un peu particulier. Alors l'introduction est assez particulière dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont eu que les essais libres, en fait, enfin les essais d'intersaison. On voit la Jaguar en mode toute verte, sans sponsor, sans rien. Et on voit aussi la Williams début 2000. Alors les options, screen options, on va laisser comme ça. Contrôleur, on va laisser comme ça, c'est très bien. On a un mode arcade, on va commencer tout de suite par le mode arcade. On verra derrière ce que ça donne pour le mode normal, qui sera évidemment celui qui nous intéressera le plus. Ouais, avec un timeout et tout, 4 secondes, on peut choisir easy, medium, hard. On va prendre medium. Alors, on va voir un peu les voitures. Alors, ça a l'air un peu long à charger. C'est-à-dire que si on fait vraiment le tour, on n'a pas le temps de sélectionner. Ce que je remarque en tout cas, au premier coup d'œil, c'est que. Est-ce que les 3D sont vraiment les vrais 3D? Ah, on peut prendre toutes les voitures. D'accord, ok. Écoutez, on va prendre la Prost. J'ai l'impression que les 3D sont pas forcément les mêmes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La musique est géniale, déjà, rien que pour commencer, elle est vraiment pas mal. Je vais me la mettre en playlist dans la voiture, je sens. Allez, c'est parti! Et on va aller au Canada. Alors, je sais pas quel est le but du mode arcade, j'imagine que ça va être de gagner la course, mais pour avoir fait quand même une vidéo avant du jeu, parce que bon... Comme je fais tellement de vidéos de faux jeux de Formule 1, finalement je sais même plus si j'ai déjà joué au jeu ou pas. Et non, effectivement, le fameux Grand Prix 2000, je n'ai jamais joué. Oh là là, on dirait du Daytona USA, c'est incroyable. Allez, start race. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette caméra? C'est parti. Alors, départ, ma foi... Je vais faire pause, je vais juste faire pause. Je vais baisser légèrement le son du jeu, si ça vous embête pas. Parce que là, le son pour moi est vraiment super fort, on va le baisser à 7. Tac tac tac. Et surtout, alors cette musique de fond... attendez, je crois qu'il y a un problème, on va voir ça tout de suite. Ok, j'ai complètement oublié de tourner. Le son est vraiment trop fort. Attends, les SFX et la musique sont vraiment ultra forts. SFX volume, on va laisser comme ça. On va faire OK. On va baisser un peu. Ouais, je pense que ça va être bon là, cette fois-ci.
Enfin, et encore, ça reste fort. On est à Montréal, donc en mode arcade. Alors, je ne sais absolument pas. Oh là, le maniement est assez particulier. Cette musique de fond me fait vraiment, vraiment penser à une musique de Toka. Toka 1. Mais c'est une variante, c'est une variante. Par contre, c'est étonnant, parce que c'est vraiment musique style Toka 1. Aïe. Oula, on s'est touché. Ah, comme on est en mode arcade. Comme on est en mode arcade, je m'entends même pas parler, c'est impressionnant. C'est incroyable. Je vais baisser le son au minimum, au moins vous enfin, entendrez pareil, mais moi j'entendrai un peu mieux. Je disais donc que cette musique me parle beaucoup, on dirait du Codemaster Toka. Alors là on est en mode arcade. J'ai tapé quelqu'un apparemment. On va gruger, on va prendre l'intérieur. Alors le maniement est très particulier déjà. La voiture a vraiment énormément de temps à tourner. Et c'est quoi cette vue? C'est quoi cette vue? Alors je veux bien qu'on ait la vue de l'extérieur, hein, pourquoi pas. Mais regardez, alors ce qui est assez énorme, c'est qu'à chaque fois que je passais une vitesse, regardez, on a le pot d'échappement qui explose à l'arrière. Alors c'est très spectaculaire, mais c'est totalement improbable, c'est totalement fou. Il est au taquet le mec, il est au taquet, c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est le mec du Daytona, je veux pas trop chaud. Alors target position. Ah j'ai compris, en fait à chaque secteur il faut essayer d'améliorer sa position. J'ai même pas réussi à prendre ce virage une seule fois encore. Ah il y a aussi un énorme problème, vous allez vous rendre compte à la vue suivante. Regardez-moi la taille des roues. C'est totalement impossible, c'est totalement improbable. Qu'est-ce qui m'a fait un truc pareil? Là c'est nickel, la proportion est bonne. Mais en revanche, la proportion en caméra là, mais c'est pas possible, ils ont fumé, c'est incroyable. Alors là je vais finir 9e dans ce tronçon. Alors, je pourrais aller comme un bourrin à mon avis, c'est-à-dire en gros tirer tout droit, ça changeait pas grand chose. Alors, exceptional driving, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, écoute, hein, c'est toi qui viens de la danse, c'est toi qui commente. Ouais, alors déjà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une vue un petit peu plus jaunie, surtout un peu plus haute. Parce que là, la vue, franchement, c'est des vues quasiment jouables. On avait les mêmes vues hein, sur F1 97, 98, etc. Mais là, franchement, c'est totalement. C'est totalement improbable. On va rusher, on va être au droit, voilà. Évidemment on est en mode arcade, donc comme on est en mode arcade, je m'embête même pas. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc là il faut que je sois 5e. En fait le but je pense qu'il faut que je gagne la course hein, tout simplement. Hein. Puisque à mon avis à la fin du tour il va me demander d'être premier. On est 2e sur 22 pour le moment. Ouais, le maniement est très très compliqué. Bon, c'est à l'habitude d'apprendre. Hein. C'est que la vie tourne très mal, mais une fois qu'on a bien compris comment prendre des virages, ça se passe beaucoup mieux. Alors, le leur fait mode arcade, évidemment, pour découvrir un peu le jeu. Après, comme Formule 97, il y a bien deux modes. Mais j'espère que le mode, par contre, pas arcade, est quand même beaucoup mieux fait que ça, parce que sinon, ça craint un peu. Après les graphismes en tant que tel ils sont plutôt pas mal. Alors, on a vu de derrière. La voiture est plutôt bien réalisée. Et le circuit aussi est plutôt bon aussi. Enfin le plutôt bien fait. On a les sponsors en tout cas de la saison de nuit. Ah, je vais remettre la vue. C'est pas cette vue hein, cette vue. Cette vue est bien. Cette vue est une bonne vue. Par contre, cette vue ne sert à rien, cette vue non plus, et cette vue, elle est dégueulasse. Le volant tourne, on n'a pas les mains sur le volant. Bon, au moins, on a un volant qui bouge. Oh là là, quel pilote je suis, j'ai remporté la course. On a un mode replay. Alors, attendez, on va voir le mode replay quand même, voir si le jeu va changer de vue ou pas. En tout cas, si je fais triangle pour changer de vue comme tout à l'heure, ça change rien. Ah si, c'est bon.
Alors, première chose. Ça, alors ça par contre c'est toujours une affaire de goût. J'aime beaucoup les musiques. Vraiment j'aime beaucoup les musiques. Elles vont bien avec un mode arcade, rien à dire. C'est plutôt pas mal, j'adore ce type de rythme. Je sens que je vais m'empresser à télécharger la soundtrack de ce jeu. Une fois la vidéo terminée. Bon, une petite vue sympa, on peut voir notre course en replay. Je vais faire start, on va passer. Et surtout on va faire du mode normal. Je dis le mode normal parce que là pour moi le jeu n'est pas normal en tant que tel. Congratulations, you race one. On va revenir en arrière. Alors j'ai le mode hard et easy, on va sortir de là. Et on va revenir en arrière. Et on va venir vraiment en mode grand prix que j'espère va être beaucoup moins arcade que ça. Alors now loading super license. Tous les pilotes ont besoin de tenir. Hi, I'm Tiffany Dell, and I'm going to be your mentor for the super license tests. As you know, you've got to get your super license before you can race in Formula 1. There'll be 5 tests altogether. Each one will teach you a different skill you'll need to really be able to handle a Formula 1 car. C'est le même mec qui présente les courses de British Touring Car sur la version Play 1 et Play PC. C'est incroyable, c'est le même mec en fait. Ils ont repris le même style de musique et le même mec. C'est incroyable. Alors oui, donc effectivement, il explique qu'il faut une super licence pour pouvoir commencer en Formule 1. Ce qui est logique. Il y a une vidéo sympa d'ailleurs. Donc là, le jeu se prend au sérieux, donc on va se mettre au mode sérieux évidemment. Puisque ça va être le but. Alors. The super license test consists of 5 separate sections. As soon as you're ready, select one and we'll begin. Ok, donc on a 5 événements à. Enfin, c'est que 5 tests en fait pour réussir à avoir sa super licence, si j'ai bien compris. Donc on va commencer par la première, The Grid Start. Test 1, The Grid Start. Ok, welcome to Super License Test 1, the restart. Donc c'est un test où vous allez apprendre comment coordonner les freins et l'accélération pour faire un très bon départ sur la grille. Ok. C'est parti. C'est drôle, le fond d'écran, on dirait un fond d'écran d'un jeu à la FIFA. Enfin, ça fait pas penser à un jeu de Formule 1. Mais bon. Allez, les chargements. On va voir les chargements, on va voir s'ils sont longs ou pas. In Formula 1, you need a quick start. This test will show you how to control the car on the grid using the brake and accelerator. Get it right and you'll get off the grid quickly without spinning the wheels too much or losing the back end. C'est impressionnant ce qu'il vient de dire parce que ça sous-entend que le jeu va gérer le fait qu'on va staller sur la grille, donc en gros caler sur la grille ou bien démarrer. Ça déjà, j'ai jamais vu ça dans un jeu, enfin en tout cas des jeux de cette époque. Et regardez déjà le petit détail graphique, la jante est en 3 dimensions. Even experienced drivers have stalled on a grid. Try it again, but bring in the power smoothly and quickly. Ok, donc en fait là, bon j'ai fait 0 points, hein. j'ai stall, j'ai accéléré dès le début, on va refaire retry. Look, unless you give the engine enough revs, it will be off cam and you won't be able to. Ok, déjà ça commence, on passe de l'arcade complet à la simu totale. Incroyable. Alors, apparemment il faut que je reste appuyé sur le frein. Ok, oula, c'est compliqué. J'ai un score de 100%, j'ai fait un bon départ. That's a pass. 65%? Ah non, d'accord, il m'a dit 65%. Je pensais que j'avais 100%. Donc vous avez vu, je suis resté appuyé sur le frein. J'ai accéléré en même temps, mais j'ai pas trop accéléré pour pas être trop. Ah, comment dire? Pour pas être. Pour pas faire patiner les roues. Donc on va pas faire retry, on va faire. Le license menu. Donc le départ se fait comme ça. Ok, d'accord. Donc en fait, on faut pas accélérer dès le début, il faut juste rester sur le bouton frein et accélérer et avoir le bon régime pour bien démarrer. C'est un petit 65%, franchement j'ai pas réussi un truc exceptionnel, mais bon. Alors, overtaking and slipstreaming. Donc en gros, le dépassement et le phénomène d'aspiration. Donc là, on est dans la ligne droite de Kenheim. C'est la saison 2000, hein, évidemment, vous l'aurez compris, comme le nom l'indique. Ok, c'est parti.
qui est impressionnant, c'est le niveau d'austérité entre les deux modes. Le premier mode, c'est le mode. Ouais, limite, c'est du catch qu'on est en train de regarder. Et là, on passe en mode. En mode ultra, ultra professionnel. This test is just after the Nord curve with a rolling start. It'll show you how to use the slipstream from the car in front to pick up extra speed and how to move out of the slipstream to successfully overtake. Ok, donc faut que je me mette juste derrière lui, on va dépasser. Et j'ai fail. Off you go, and that's an instant fail. You must stay on the track to pass this test. Même le commentateur, on dirait qu'il est mort de rire, quoi. Allez, c'est parti. Ouais, par contre, la sensibilité est très élevée, hein. C'est pour ça que j'ai du mal. You passed with 100%. Parfait. Rien qu'à demander. 100%, ok. Bon, c'était pas très compliqué, j'ai juste légèrement dévié ma trajectoire avant de dépasser, donc c'est passé. On va revenir au... Non. On va faire preview, c'est avant, donc super licence menu, yes. Et on va du coup passer au troisième mode. Je charge. On va faire, du coup je suis à 33% de ma super licence. Je pense qu'en fait c'est un cumul, c'est-à-dire que même si je réussis... réussis pas par exemple une, et que je réussis à faire 100 sur 2 par exemple, je peux peut-être passer ma super licence, même si je réussis pas tout. Test 3, chicanes and braking. Ok. Donc là on va passer à la chicane. Je vais un petit peu passer un peu plus vite ce qu'il va me dire, histoire de gagner un peu de temps. On est déjà à 17 minutes. On n'a même pas commencé à faire une course. Bah si, on a fait une course en mode arcade, effectivement. Mais bon, j'aimerais quand même vous montrer le jeu un peu plus en détail. Allez, c'est parti, concentration maximale. Oh, ce fail. Sorry, you're off the track and that's a fail. Keep it neat and steady next time and then build up the speed. Bon, je pense que j'ai freiné vraiment trop tard. En plus, il me le replay à chaque fois, c'est incroyable. Je pense qu'il faut vraiment que je freine à 200 mètres. Ok, 83%. That's a pass. Donc il fallait freiner à 150 mètres. Voilà, vous avez compris. Si vous jouez à ce jeu, il faut freiner à 150 mètres. Voilà, tout simplement. Non, j'ai fait retry. On va faire kit stage. Attendez. Picture. Ah ok, donc on peut juste ouais, modifier, mais ça je m'en fous. On va faire kit stage. On va faire oui. Et on va du coup passer à la suite. Allez, on va passer au cornering and braking, donc virage et freinage. Test 4, cornering and braking. Donc du coup, on va arriver dans la dernière zone, c'est le stadium de Hockenheim. New to source the car, ok, bon, en gros, il va falloir freiner la voiture pour avoir une bonne vitesse de passage, pardon, dans le virage. Alors la voiture est très très sensible. Sensible à une droite et très peu sensible dans les virages, du coup c'est assez bizarre à contrôler. Test 4. Je passe, hein, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on avance. Ah! Sorry, you're off the track and that's a fail. Keep it neat and steady next time and then build up the speed. En tout cas, au niveau du son, c'est pas mal, hein. Même de rien, bon, il y a quelques effets de reverb un peu bizarres, mais le son en lui-même est sympa. Ah! Why are you going backwards? Je suis parti en tête à queue. Il dit pourquoi tu veux aller en longueur? Alors en marche arrière. Bon. Ok, donc en plus on a la gestion du. L'anti-patinage. Enfin, en tout cas, j'ai perdu le grip à l'arrière. Et mine de rien, ce jeu commence à me plaire. Franchement.
Ah non non, ça passera pas. Sorry, you're off the track. Aïe. And that's a fail. Keep Alors, it neat and steady next time and then build up the speed. Ça fait penser un peu à RS3 d'ailleurs sur PS2, le jeu ultra punitif au niveau de la conduite. Et on le sent d'ailleurs que ça glisse. Hein. Oula, j'ai réussi à contrebalancer le. C'est pas évident, c'est pas évident. Regardez, ça descend 89, 85. Anything over 80% is pretty good. Ok, donc il y a bien que tout ce qui est au-dessus de 80% est plutôt bon. Donc du coup, bah, je le prends pas au moins, hein. Je suis très, très ouvert à la critique. Donc là, c'est bon. Bah, du coup, on a passé le stage, ça c'est bien. On va essayer le dernier normalement. Alors je vais voir au niveau de la pourcentage, je suis à combien? 66%, donc j'ai déjà plus ou moins ma licence. Mais on va quand même terminer le full lap. Ce serait intéressant de savoir si le pourcentage total nous ouvre des opportunités ou pas. Par exemple, si on réussit la super licence avec 50%, on peut avoir que telle ou telle équipe. Si on réussit à 100%, on a toutes les équipes débloquées. Ok, donc là, il faut choisir un tour entier. Sans me planter, alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va le faire tranquillement pour éviter d'avoir recommencé 10 fois. Mais en tout cas, c'est pas mal hein, le système de super licence avant de commencer le jeu. Alors ça va en rebuter pas mal hein, ceux qui aiment bien les jeux d'arcade. Ok, dans ce test, you've got to. Je vais. J'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail encore. C'est pas grave. On va pas se faire avoir 10 fois. Patine un peu, c'est pas grave. Ouais, donc ça va en rebuter quand même pas mal. Hein. Le coup de la super licence, parce que franchement c'est pas facile. Pourtant vous connaissez, je vois pas mal de jeux de F1. Donc, je pars avec une base en général plutôt correcte. Mais là franchement, là je vais essayer de faire doucement. Reprenez à 150 mètres, voilà. Oh non. Sorry, you're off the track and that's a fail. Keep it neat and steady next time and then build up the speed. C'est pas possible. Bon, on va retenter. Faire retry stage. J'ai quitté juste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en pause la vidéo et on se retrouve dès que j'aurai passé ce passage. Voilà, comme ça, au moins, on ne perdait pas trop de temps. C'est parti. Pass. Et on a réussi du coup après 3-4 tentatives, dont une où je me suis loupé dans le dernier virage, j'étais totalement énervé. Mais bon, c'est passé. Du coup, on va faire Super License Menu. Faire OK. Et du coup, on a réussi normalement les 5 passages. Attends de charger. Ok, you've passed all 5 stages. If you're happy with your overall score, press the start button. You can also retake any of the sections if you think you can improve your scores. On pourrait improver le grid start, mais on va quand même faire start pour avancer. Enter your name, donc ça c'est bon, bah du coup c'est parti. On va pouvoir enfin arriver à la partie intéressante. Well done, you've got your super license. Allez, c'est parti. Donc du coup, regardez. Now, your first job is to find a team to drive for. So check your emails. Ok, donc avant de faire les emails, on va voir juste le réalisme au niveau du jeu. Alors preset easy, automatique. Ah oui, alors c'est preset. Ok, medium, hard. On va faire medium. On va mettre race length. On va le mettre à, on va mettre 10% de course hein, de toute façon pour 20 pour. Ah, on a que 20% minimum. Ok. Kit manager damage, oui, tire wear on va le mettre, mechanical failure on va les mettre, oui. On va mettre au maximum, on a le droit au flag, your ring rules on va faire on. Faux départ on va mettre... Bah ouais on va mettre oui. Tant qu'à faire, hein, on s'est entraîné pour ça. Gearbox on laisse automatic traction assist on va mettre off. Corner info, non. Race restart. Alors ça, Race Restart, je sais pas ce que c'est, bon je pense qu'on peut faire remettre on. Kilomètre heure, oui, là on va mettre le météo évidemment. Ending Realism, on va mettre hard direct. On va faire le mode le plus difficile possible, je veux voir ce que le jeu a dans le ventre.
On va faire retour. Et on va aller dans les emails. Et là, welcome to Compris Mode. Donc du coup, il explique voilà, un peu tout. Donc, on a une offre de l'équipe BR ou l'équipe Minardi. Alors, on est en 2000, donc je pense que BAR, c'est la meilleure offre par rapport à la Minardi. Donc, on va prendre BAR. 20% with the performance in the Formula 1 Super License. C'est ça que je pense, à mon avis, c'est que suivant le score qu'on a sur la Super License, on va avoir d'autres équipes disponibles, pas forcément les mêmes. Et ça, franchement, si c'est vraiment le cas, c'est vraiment super bien. Donc, on va accepter l'offre. Ouais, on va accepter l'offre, on va commencer chez BR. Donc voilà, hop, ça c'est fait. On va faire go back. On peut commencer le premier round, donc il sera évidemment, je pense, à Melbourne, les emails. On peut voir le standees, le calendrier. On va regarder d'ailleurs le petit calendrier au cas où. Race. Bon voilà, on a juste le calendrier hein, tout simplement, on va faire retour. Donc c'est vrai qu'on a quand même quelqu'un qui nous explique, alors le jeu peut être en français, alors c'est la version anglaise. On a aussi le mode Quick Race. À la limite, ce qu'on va faire pour s'entraîner, on va faire un mode Quick Race, on va faire le Grand Prix de Melbourne. Juste pour tester un petit peu. Et en plus ce qui est bien c'est que je peux changer de voiture, j'ai pas forcé d'avoir... Ah non, c'est si, j'ai que débloqué deux voitures finalement. Donc du coup, je vais pouvoir prendre que la Minardi ou la BAR. Ouais, donc c'est... On fait un mode réaliste quand même dans le jeu. On va faire, on s'en fiche. Il y aura qu'un joueur, hein, pas deux joueurs. On va rester en 80. Et on va faire un tour avec les réglages que j'ai donnés. C'est des réglages de difficulté quasiment au maximum. Et on verra ce que ça va donner. J'espère qu'on pourra faire des réglages au niveau de la voiture aussi, parce que je trouve que la maniabilité est vraiment... mais. C'est très dur, hein. Vraiment, hein. Il faut vraiment le toucher légèrement pour pouvoir ne pas partir en tête à queue. Alors, au niveau de l'aéro... Ah, c'est pas mal, parce que pour chaque fois qu'on fait un truc, il nous explique à quoi ça sert. Alors, il y a des trucs qui me paraissent bizarres au niveau de la BAR, on a l'impression que le... j'ai l'impression qu'il y a des sponsors qui sont pas forcément d'actualité, mais bon. Gearbox Steering. You can adjust the steer gearing to sharpen or dampen your steering response. On tracks with a lot of tight corners, it's best to sharpen the steering to make cornering easier. However, you may find that doing this also makes the steering twitchy on the straight. On va mettre entre les deux, on verra ce que ça donne. Race information, c'est bon, on peut changer le fuel. 100%, les pneus, on va mettre les softs. On peut même changer la pression des pneus. Donc on va faire suspension, on va laisser comme ça. Voilà, et on va faire start race. Et on part dernier sur une quick race. On a droit aux mêmes vues. Bon, le départ est assez chaotique, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde. Et donc c'est parti. Et du coup je me posais la question, comment ça se fait que les vidéos sur internet ne montrent que la BR ou la Minardi, ou même la Sauber, j'ai ma réponse. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans le jeu pour débloquer d'autres constructeurs. Alors, on est dernier. On a les pneus qui sont bleus, c'est-à-dire qu'on a la gestion de mesure des pneus. Ça, déjà, c'est le premier jeu qui va commencer à bleu. Je suis parti à la faute. Alors là, ils sont totalement marrons, c'est ça qui est plus gris. Et là, je n'arrive même pas à mettre dans le sens de la manche. Ok, il dit que je suis dans le mauvais sens. Alors vous voyez là, mes roues sont encore sales. Du coup, niveau grip, pour l'instant, c'est pas trop ça. On va attendre un petit peu. Que ça revienne un peu au vert. Voilà, comme ça, j'aurai le grip. Ok, donc mon coéquipier Zonta est 21ème. Nous on est très très loin déjà. Oh là là, attention, on a failli taper. Alors la framerate est assez bizarre, j'ai l'impression que le jeu est pas fluide du tout. Mais en fait il l'est, mais je sais pas, c'est difficile à expliquer, j'ai l'impression qu'il y a des lenteurs. Ils ont déjà fait un tour, je sais pas, à la moitié du circuit, c'est incroyable.
Alors je pourrais changer de vue bien entendu, mais comme je trouve que c'est la vue la plus réaliste et la meilleure vue finalement, on va laisser comme ça. Après j'ai mis le jeu en mode hard, hein, donc... Et je suis pas dans ta gueule. J'ai accéléré trop tôt. Alors ce qui est bien c'est qu'on a la jauge d'accélération en haut. Du coup on voit beaucoup où on en est par rapport à ça. Voilà, par contre, pour reprendre la vitesse, c'est vraiment compliqué. Alors, le son change aussi quand on est plus ou moins derrière la voiture. Bon, ça, par contre, je comprendrai jamais pourquoi c'est aussi mal fait. Mais c'est une erreur de fou, quoi. Enfin, on dirait un glitch, quoi. C'est limite le mode de grosse pousse en Formule 97. Et là, mon problème, c'est que comme j'ai pas les roues qui sont en bon état, enfin en tout cas les gommes qui sont très très sales, j'ai vraiment du mal à... Et regardez, ça prend du temps hein, à enlever cette saleté sur les pneus. Alors évidemment, c'est la première fois qu'on prend le jeu en main, hein, donc du coup... Va falloir être patient pour bien comprendre le maniement à 33 secondes de retard sur mon temps. J'ai mis le jeu au maximum de la difficulté dans tous les cas, hein, donc c'est vraiment normal. J'y arriverai du premier coup. Je pense que ça poserait un énorme souci pour la fluidité du jeu. Alors ça, le vache tape de la Rosa, allez-y. J'ai des Mazakan dans ta. En tout cas, au niveau des forces en présence, au niveau des hiérarchies, tout ça me semble très cohérent. Oh là là! Les pneus sont vraiment morts, hein, c'est impressionnant. Le pneu gauche par exemple il est propre, mais il reste orange. Et là je vais partir à la flotte, bon ça va. J'ai réussi à pas trop glisser. Alors ce que j'aime beaucoup par contre au niveau de la voiture, c'est quand on est en relance. On sent que ça glisse et on peut contrer un petit peu ça. Enfin, je veux dire, ça reste assez compréhensible au niveau de la perte d'adhérence. Et du coup, ça revient presque fun. J'en dirais pas, hein, je suis dernier, j'ai à 36 secondes de montage, je galère comme un porc, mais j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant dans le pilotage. Je pourrais mettre la voiture en plus à la limite. Bon, là, on est très très lent, hein. En plus, on a les gommes qui sont totalement pourries. J'ai l'impression qu'à chaque virage, je vais mourir. Je suis parti en tête à queue et voilà. Mais le tête à queue est cohérent. Alors il y a 12 tours à faire. On va juste faire restart level. On va recommencer. On s'entraîne un petit peu. On va garder le départ de course. Départ très laborieux encore une fois. Alors je rêvais de vous montrer notre circuit, mais vous l'aurez compris, à part en mode course simple, c'est assez compliqué. Surtout, je ne vois pas vous montrer d'autres Formule 1, hormis la Minardi. Allez, on va essayer de suivre Zonta devant nous. C'est déjà pas mal. Ah, j'ai les pneus verts. Les couleurs commencent à me plaire. Voilà. On va toucher. Aïe aïe aïe, on va partir à la faute. J'ai déjà pourri un pneu à droite, vous pouvez voir qu'il est assez marron. Alors au niveau des graphismes, bon j'en ai pas trop parlé dans ce jeu, mais alors vous aurez remarqué que les F1 se ressemblent quasiment toutes. Au niveau de la 3D, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. La vue, bon, je vais pas répéter le bug, mais le bug est toujours présent. Hein. Le bug des rouges, je trouve ça scandaleux de pouvoir faire ça, mais bon.
On va dire qu'il a, ça empêche pas de changer de vue pour avoir quelque chose de plus réaliste. En termes de graphisme, on est pas mal. Alors le jeu est sorti en 2001, pardon. Donc on est en fin de vie de la Play 1 hein, carrément. Il faudrait comparer à Formula One 2001. Et franchement, en termes de graphisme, au niveau des décors, il est pas mal. Alors on a pas mal de clipping au loin, mais c'est pas trop embêtant. Ça n'empêche pas de rouler quand même. Non, ce qui est vraiment prouvé, c'est le maniement, mais en termes de graphie, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, une fois qu'on commence à prendre l'habitude, ça commence à être intéressant. Par contre, j'ai déjà les plus jeunes. Alors, soit je vais trop vite, soit je glisse trop, soit je sais pas trop. Mais quand même, quoi, ça me paraît. Et je pars encore à la fois de l'arrière. Par contre, le fait qu'il distingue vraiment les joueurs des pneus sur les 4 gommes différentes, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment un bon point. Ce jeu est pas nul, voilà. C'est que je veux dire, il y a quand même des points sympas. Là, on est totalement cohérent aussi au niveau de l'accident. Bon, écoutez, on va faire se retirer de la course. On va faire oui. On va faire oui. Et alors, j'ai évidemment mis la barre trop haute dès le début. On va faire start. On va faire go. C'est marrant d'ailleurs, qu'on se soit retrouvé au menu de départ. Enfin, c'est bizarre. On va voir au niveau du réalisme. Preset off, tire wear, mécanique failure, oui. Automatique, restart, traction. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Alors par contre, c'est vrai que je ne peux pas régler. Je ne peux pas régler la performance des IA. Donc ça va être compliqué, je pense. On va aller voir la section recherche et développement. You now have the chance to update and improve the performance of your car by investing in the latest research and development technology. D'accord, donc on peut apparemment faire des recherches sur le châssis, sur les freins, sur le moteur, sur la boîte de vitesse, ça je ne sais pas ce que c'est. Your race could be won or lost in the pits. A second saved on your pit stop is a second you don't have to make up in the race. Invest in the best technicians you can get. Make sure that they have the very latest and fastest technology and get them to practice, practice, practice. Ok, donc on pourra même améliorer notre temps d'arrêt au stand avec ce réglage-là. Vous voyez, c'est un coup. Là, on a un, donc voilà. On a le coup pour chaque évolution. Alors, j'ai zéro, donc j'aimerais savoir comment on gagne de l'argent dans ce jeu. Là, je sais pas ce que c'est. Ok, donc là, il explique juste. Se passe pour le moment. Au niveau des moteurs aussi, on pourra le changer. Au niveau du châssis aussi. Ça, c'est pas mal. Enfin, franchement, j'en ai pas vu des. Je crois que c'est le premier jeu de l'époque, en tout cas, où je vois qu'on peut améliorer sa voiture en cours de saison. Enfin, ça, c'est assez énorme. Allez, on va faire Begin Round. On va faire la qualification. Et c'est souvent pour ça qu'on galère, parce que en fait, le jeu étant sorti, enfin, en tout cas, apparemment, prenant en compte la saison, les débuts de saison. 2000, BR ayant fini dernier du championnat 99, Minardi ayant marqué un point. C'est pour ça que BR en fait est partie des deux plus mauvaises équipes. Mais réellement, la BR est plutôt une quatrième force qu'une voiture de fond de grille. Allez, c'est parti, on va voir la session. Ok, ils sont tous partis sur le côté gauche. On va faire accélérer. Time remaining, ça va être très lent hein, par contre. Regardez-moi ça, la vitesse à laquelle j'accélère le temps. Limite, c'est seconde par seconde, légèrement plus vite. Mais c'est pas énorme en fait, ça, c'est très très court. On va faire lift, on va faire car setup. On va voir au niveau peut-être du fuel. Along with tire selection, the amount of fuel you carry will dictate how many pit stops you'll make. On va mettre la moitié. J'imagine qu'avec la moitié, je peux faire quand même pas mal de tours. L'aérodynamique, on va le laisser comme ça. Ouais, je vais garder l'aéro comme il faut. Le steering, le ratio. Le moitié c'était pas mal, donc on va le laisser comme ça. Gearbox par contre. Ok, donc on va laisser comme ça, même si je pense que j'ai un rapport premier qui est trop long. On va laisser comme ça. On a même droit à la télémétrie. Bon, évidemment, là on n'a rien fait, donc du coup ça sert à rien. Mais on pourrait changer ça. Les pneus, on a dit qu'on gardait les soft. Mais j'ai envie de prendre des hard. Prendre des hard tout simplement. Parce que peut-être qu'ils vont
En tout cas, plus longtemps. Alors, on part pas dans les stands, hein. On est directement sur la piste, les voitures sont garées sur le côté. C'est pas du tout comme en vrai, mais bon. Alors, je vais pas changer la vue, hein. Ça se conduit automatiquement, là je ne fais rien du tout. On est dans le tour de sortie. Et on va démarrer du coup avec des gommes dures, qui donc du coup va être plus de temps à chauffer, je pense. Et nous sommes partis. Les circuits en termes de rallye se sont bien faits. Je veux dire en termes de respect de la piste, on y est, hein, c'est vraiment comme en vrai, en tout cas comme en vrai en 2000 quoi. Alors on va essayer de se concentrer, faire un tour de qualif correct. Donc là je suis dans le tour de sortie, donc du coup il n'y aura pas de temps chronométré. Alors je pense que... Voilà, j'allais dire, je pense que c'est un jeu, il faut prendre son temps. Alors j'ai fait exprès de ne pas rentrer... sur la partie gazonnée, parce que je voulais pas courir mes gommes. Il n'y a personne derrière moi. Du coup... Alors on a mis les drapeaux, etc. Donc peut-être qu'on va avoir des pénalités si par exemple je coupe un virage. Et là voilà, j'ai pourri mes pneus, ça a duré 4 secondes. Ok, ils sont en train de revenir vers, mais de manière très lente. Et j'ai repourri mes pneus droites à l'entrée du virage. Allez, c'est parti pour le premier tour chronométré. Bon, ok, j'ai l'avant qui est à peu près vert. Vert comme la couleur du gazon qu'il y a dessus. Voilà, j'ai réussi à contrebalancer le dérapage. Alors, speed time, on a 34 secondes. On va freiner au panneau 100. Ok, pour le moment on a fait de bêtises, ça fait plaisir. On va essayer de voir... Ça a été instantané. Mais quand je dis instantané, c'était vraiment violent. Alors est-ce qu'on a des dégâts sur la voiture du coup? Alors visuel je vois pas, mais en tout cas sur l'écran c'est marqué qu'on a quand même cassé un petit peu l'avant. Alors vous avez vu, hein, j'ai à peine limé l'extérieur de piste, la voiture elle est partie d'un coup. Au niveau de l'essence on est encore bon. Je vais peut-être faire un deuxième tour histoire d'améliorer. Ah ouais, non mais là je l'ai totalement démonté. Regardez-moi ça, on a cassé la bagnole direct. On va rentrer au stand, je pense que ça fait. Donc là on est à petite vitesse. Pour l'instant, les meilleurs tours en piste, c'est Ferrari avec Barrichello, Coulthard, Herbert est 3ème. On va faire les pits. Et je pense qu'on va faire se retirer de la session. Tant pis, on partira dernier. J'espère par contre qu'il n'y aura pas les 107%, parce que s'il y a les 107% qui passent, ça veut dire que
Voilà, donc ça c'est juste la session. Bon, on n'a pas fait de tour. Une 15, une 22. Ok. This is it, your first race in a Formula One team. Best of luck. Best of luck. Ah, il a bloqué. Alors apparemment au niveau du temps il devrait faire beau. Donc pour l'instant on va laisser comme ça. On aura donc 12 tours ou 9 tours à faire, je sais plus. Sur ce circuit. Qui va être assez long. On est déjà à 46 minutes de vidéo. Incroyable. Incroyable. Alors en tout cas pour le moment ce jeu, vous l'aurez compris, est un jeu très très compliqué. Enfin bien sûr plaisir, mais vraiment ils ont fait quelque chose d'assez hardcore. Normalement j'ai 12 tours à faire, donc au niveau du fuel. Along with tire selection, the amount of fuel you Bon, on va carry. laisser au maximum. Par contre, l'aérodynamique, j'ai The l'impression angle of the qu'il wings garde will affect pas the ce que je fais. aerodynamics of your. C'est dommage. Steering, ouais, à chaque fois, je fais de You can l'euro-mètre. adjust the steer gearing to sharpen or damp. Race information, on va juste voir le nombre de tours. Non, mais 20%, ça sert à rien de me dire 20%. Je sais pas à combien ça correspond. Je crois que j'ai misé plus de temps. Heureusement, je vais enlever les plus durs. Et j'ai jumpé le départ. Et du coup, je vais avoir 3 tours pour m'arrêter au stand. Aïe 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 aïe. L'erreur. Et surtout, ce qui est génial, c'est que le truc reste affiché. Alors, du coup, je vois rien, mais c'est bon. C'est effacé. J'ai un joli drapeau noir. En drapeau noir, normalement. De souvenir, on est disqualifié quand on a un drapeau noir. Je vais accélérer dans l'herbe, on le voit à cet endroit. Et du coup, on est bon dernier. On va quand même essayer de faire un tour en rattrapant les pilotes devant nous. Je ne vais pas y arriver. Alors 6 secondes de retard sur Heidfeld, et donc Heidfeld normalement en début il est chez Prost. Prost qui marquera d'ailleurs 0 points cette saison-là. Une des pires saisons de Prost Grand Prix. Même saison 98 a été meilleure pour vous dire. Attention de ne pas sortir. Et là j'ai juste oublié de freiner. Aïe aïe aïe, du coup on va ressortir. Donc, je vais patienter avant de m'arrêter au stand hein, pour le moment. Je vais essayer de rattraper Heidfeld devant. Heidfeld qui a à 7 secondes. Vous avez vu, à peine j'ai touché l'herbe, à peine je suis parti à la faute. Alors ce jeu est-il plus difficile que la série qu'on fait sur Dreamcast actuellement? Pour le moment, oui. Et largement plus. Parce que sur la série sur Dreamcast, j'arrive au moins à me battre un peu avec les autres. Là, je n'arrive même pas à les voir. Hein. Je n'arrive même pas à les rattraper. En gros, les IA, vous les regardez et vous les verrez plus. Hein. 13 secondes de retard. Déjà sur Heidfeld, c'est vraiment super long. Bon, du coup, vu l'état de mes pneus. Ah, j'avais bien pris la chicane pour une fois. Vu l'état de mes pneus, je pourrais m'arrêter maintenant en fait, hein, parce que je perds du temps. Alors, comme dit, sûrement.
Ah bah j'ai été disqualifié. Oui, il m'a carrément fait arrêter la voiture. Ok. Ouais, j'avais un drapeau noir, donc du coup, plus un drapeau noir, bah en gros, je suis disqualifié. Donc c'est magnifique, hein. Quelle belle fin pour ce jeu. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, le classement de la course, apparemment, ils sont 14 à terminer. Du coup, on a le classement du championnat. Alors, Rubens Barrichello a marqué un point quand même. Ah, mais oui, il était chez Ferrari. Et oui, effectivement. Frenzen marque des points. Schumacher aussi. Durvine. Ah, et Durvine met 2 points pour Jaguar par contre. Ok, et c'est une victoire de Schumacher devant Hakkinen et Frenzen. Et du coup, au classement, on a Ferrari devant McLaren, Jordan, BMW, Jaguar. Bon, évidemment, nous on est dernier. On va revenir sur les emails du coup. Alors, income statement. Winning this round 0, find this round. On a perdu 3 millions de dollars. On avait 1 million. Enfin, j'arrive pas à lire. On avait 11 700 000. Du coup, on a pas eu de l'argent. C'est magnifique. On va voir si en recherche-développement on peut faire quelque chose. Aerodynamic research is used to make the best use of the airflow over. Voilà, donc Urban Balance, on est à moins 3 millions. C'est-à-dire qu'il faut que je réussisse à rattraper l'argent perdu pour passer au-dessus de zéro et après pouvoir évoluer. On a un niveau de difficulté vraiment, hein, je vous le dis, je vous laisse vraiment tester un jour par vous-même. Vous allez comprendre vraiment votre douleur. C'est vraiment super, super compliqué. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est que je peux changer si je veux en cours. Engine Learning, on va mettre par exemple en médium pour voir un petit peu si ça change un peu. Remettre en médium. Traction Assist, on va mettre on. On va baisser un petit peu la difficulté quand même, histoire de terminer sur une course un peu normale. On va enlever les flags, voilà. On va faire OK. On revient sur le desktop. Et on va faire du coup Beginning Round. Comme ça, on verra un deuxième circuit. On va faire qualification d'ailleurs direct sur le circuit du Brésil. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un jeu qui se veut vraiment simulation. Et franchement, pour l'époque toujours, il s'en rapproche quand même. Hein. Il y a quand même des choses qui sont assez réalistes. Même si bon, voilà, des choses qui ne vont pas du tout. Je reviens sur mon car setup juste pour... Along with tire selection, the amount of fuel you carry will dictate how many. Voilà, juste pour avoir un petit peu. Bon, on va garder les ailerons comme ça. Le steering, je le garde en middle parce que ça me paraissait ok. Allez, c'est parti. On va finir sur un tour ou deux, un début de course, et on se quittera là-dessus. Une heure de vidéo. Mais bon, le jeu le mérite, hein, sincèrement. Il est pas si mauvais que ça, donc voilà, je laisserai juger par vous-même, bien entendu. Les effets de lumière à l'arrière sont quand même pas mal. Par contre, c'est vraiment, voilà, c'est pas réaliste. La sortie des stands d'Interlagos en version 2000, normalement, elle a changé. Voilà, on ressort plus directement à droite, on ressort par les extérieurs. Et en tout cas, elle est très compliquée, hein, cette sortie. Voilà, c'est parti. On va changer de vue, tiens, pour une fois, on va garder cette caméra. Enfin, on va pas la garder longtemps, à mon avis, mais... Avant, remarquez aussi que je n'ai pas de... Au-dessus de la voiture, je n'ai pas de caméra. Changer de vue parce que finalement cette vue est quand même beaucoup plus sympa. Oui, il n'y a pas de caméra au-dessus des F1, c'est assez bizarre. Sachant qu'elles en avaient depuis des années. Enfin, elles ont toujours eu plus ou moins, enfin plus ou moins. Et puis au moins les années 90, elles en avaient. Souvent c'était sur le côté de la prise d'air. Par exemple sur la Benetton, elle était sur le côté. Puis à partir de 96 à peu près, elles ont commencé à se démocratiser. Au-dessus, c'était une simple barre vers le haut, et finalement après elles se sont mis à l'horizontale à partir de l'année 98. Et j'ai trouvé quand même que c'était. J'ai fait n'importe quoi. J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus classe la prise d'air façon 97.
je suis sorti totalement de la piste. Mais c'est pas grave, on va faire un autre tour. Et on fera un début de course. Alors les avaries aussi, hein, on en a pas eu pour l'instant. Mais le fait d'avoir des avaries, bah, potentiellement on risque d'avoir des abandons qui ne sont pas notre faute. L'ambiance sonore est quand même super réussie en revanche. Hein, voilà, si on nommait austérité, c'est quand même une, quand même du bon son. J'espère que le son sera pas trop fort dans la vidéo, c'est ça qui m'inquiète à chaque fois. Alors il y a une version PC qui est sortie aussi de ce jeu. On la fera peut-être un jour parce que vous allez voir qu'elle est quand même encore mieux faite. Enfin c'est logique. Hein. Et elle a l'air intéressante. Donc je pense qu'un jour on fera la version PC. Elle est pas sortie sur Dreamcast, parce que Dreamcast avait une autre longue version. Et elle est pas sortie sur... je crois qu'elle sort sur PS2 aussi, mais bon. Voilà, je vais freiner. Bon, j'ai fait un tour en 1.20, on va faire Retire from Session. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est à chaque fois qu'on finit une session, on se retrouve avec le menu démarré, quoi. C'est assez bizarre. Bon, je pense que j'ai fait un temps pourri. J'ai fait OK, mais en fait, j'aurais pas dû, j'aurais voulu voir mon temps. On va lancer la course. Voilà, et on se quittera là-dessus. Bon, les chargements, ça va, ils sont pas spécialement longs. Le Grand Prix, c'est comme Melbourne, hein, plutôt réussi. Par contre, je pensais pas que le virage après la grande ligne droite était aussi autant en descente. C'est bon. Tire, on va mettre les hard. Fuel, on va mettre comme il faut. L'aéron, on touche pas. On va garder le steering en middle, parce que je trouve que c'est plutôt correct. Voilà. Et on va faire done. C'est parti. J'espère cette fois-ci qu'on va s'en sortir un peu mieux. Et j'ai fait un départ... je pensais en faire mon départ finalement, mais à la fin ça stole un peu. Ah mais je partais 19ème sur la grille, c'est-à-dire que j'ai fait un temps correct. Ce qui est déjà une première bonne nouvelle. Alors là par contre la framerate est en train de mourir. Et je vais partir en tête à queue, c'est génial. Ah, je pense qu'on s'est accroché, c'est pour ça que derrière ça a glissé. J'ai le train arrière qui a pris cher par contre. On va regarder un petit peu la vue extérieure. Non, ça va. En tout cas, visuellement, c'est correct. Bon, je suis dernier. Et vu mon temps tout à l'heure, je pense que je peux faire. Je pense que je peux peut-être les rattraper devant. Sachant que j'ai pas fait le dernier temps en étant sorti de la piste à un moment. Hein, donc. Je pense que si je me loupe pas, je peux faire un temps assez intéressant. Ah bon, on va passer la porte par l'extérieur. Et on a dépassé la porte. D'ailleurs, ça serait intéressant de pouvoir faire une petite bataille avec une IA pour voir un peu comment elle réagit. Parce que c'est souvent le gros défaut sur le jeu de Play 1, c'est l'IA. Qui est assez aux fraises souvent, enfin il y a des collisions qui sont mal gérées. Il se défend n'importe comment. Alors, Schumacher, Vainakin, Friends, Enra, Schumacher. Et c'est incroyable, je ne suis pas dernier. Il est en train de remonter sur deux voitures devant nous. Quand j'ai remonté, c'est vraiment plutôt rapidement. On va prendre un peu de slipstream que nous a appris Super Licence. Voilà. On va dépasser la rose, c'est incroyable. Allez, par contre là je fais n'importe quoi, je vais tirer tout droit. De toute façon, Villeneuve en 97, mais on va continuer, attention à Yamamoto. Ouais, ça me rappelle le crash de Yamamoto en 2007. Je crois que c'était la Renault qui était partie tout droit, et du coup il y avait un accrochage. C'était Kovalainen ou Fisichella. Il y avait un accrochage justement un peu de la même,
De la même manière. Alors notre équipe qui est devant. Waouh. Attention, j'ai touché mon coéquipier. Bon, en mode normal, enfin j'ai dit en mode normal dans le sens où on a baissé un petit peu la difficulté. C'est quand même plus faisable, enfin ça serait faisable en mode difficile hein, mais vraiment très hard le jeu. Là c'est quand même beaucoup plus facile. Du coup ça devient quand même un peu plus rigolo si je veux dire. En tout cas un peu moins frustrant à gérer. Sauf que les IA ont la même performance, hein, ça n'a pas bougé. C'est vraiment que le maniement de la voiture qui change quelque chose. Alors là j'ai l'impression que les voitures ont disparu et sont revenues. On est combien? On est 17ème. Oula, attention. Oh, les réactions de la voiture sont quand même bien faites, hein. Je pourrais pas l'enlever le point positif de ce jeu. Ah, je suis encore allé tout droit, je vais encore finir ma journée dans les graviers. En plus, je vais partir en tête avec. Par contre, la framerate, par contre, ça c'est un gros défaut. Elle est complètement aux fraises. Alors, j'ai passé Zonta, non, c'est lui qui m'a dépassé et je me suis touché par la rose. On va regarder un peu l'état de ma voiture. C'est moyen. Bon, il y a 15 tours à faire, je vais pas faire 15 tours, hein. Je vous préviens, on va terminer sur un dernier petit tour comme ça. Et on se laissera là-dessus. Alors oui, je suis ok. Par contre, mon coéquipier... Là j'ai failli tuer les deux équipiers, bah, mon équipier plus moi, du coup BR a encore beaucoup de problèmes financiers à venir, même si bon bar c'est pas une équipe qui est comment normalement. J'ai repassé d'ailleurs. Alors ce qui est pas mal c'est quand le spotter j'ai jamais bougé mon coéquipier. Ce qui est intéressant, c'est quand il parle, le son se réduit. Et ça, c'est pas mal. C'est aussi un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Ça permet de l'entendre vraiment clairement. Comprendre ce qu'il dit. Alors, par contre, ce qui est dommage au niveau du HUD, c'est qu'il manque l'information pour savoir un petit peu sur le circuit à côté où on est l'IA. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Et on a des voitures qui sont arrêtées au stand. Que nous, parce que je vais enfin réussir à prendre cette année de virage, oui. Je pense que le spotter va aussi nous dire si on a les pneus qui sont morts ou pas. Alors j'ai quand même fait un tour de plus parce que ça devient intéressant. On est combien? On est 13ème. Ouh, j'ai failli rentrer dans la Et on est deuxième. Voilà, donc je vous conseille, si vous commencez ce jeu, vous mettre dans un niveau de difficulté plus équivalent. Ça vous permettra de pas trop galérer. Et évidemment, si vous souhaitez plus de réalisme, vous le remonterez derrière. Mais vraiment, pour débuter, faites une saison comme ça. Et ensuite... Ensuite vous changerez quand vous aurez fait au moins tous les circuits une fois et vous comprendrez un peu toutes les trajectoires, etc. Parce que là vraiment le niveau difficile est très difficile. Alors on avait Verstappen qui a abandonné, donc lui aussi abandonne, ça c'est aussi une information à prendre en considération. Alors on va rentrer au stand, histoire de voir comment ça se passe. Ok, donc pit crew working, choisir repair damage, j'ai changé les pneus. Du coup on est combien de temps au stand, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est pas arrêté si longtemps que ça, hein. Ils ont réparé assez vite la voiture.
Aïe, j'étais totalement tapé à la zone de descente. Heureusement, ça n'a pas cassé la voiture. Pareil au niveau des dommages, le jeu est, on va dire, moyennement réaliste. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas en mode je touche à peine un truc devant, mais on s'explose. Il y a quand même un entre-deux, ce qui fait que c'est pas absurde. Mais c'est pas spécialement réaliste non plus. Donc c'est entre les deux. Et ce qui est pas mal, bah, c'est comme le jeu en lui-même. Pas cohérent à 100%, bah finalement ça se tient. Voilà, ce qui est un petit peu dommage avec ce jeu, c'est que ça manque de cohérence dans certains points. Mais pour le reste, ma foi, on va se passer à l'extérieur. Oui, je suis ok, tout va bien, t'inquiète, Jean-Pierre. Alors, vous voyez, j'ai pas pris d'essence. Du coup, j'ai gagné un petit peu de temps aux arrêts au stand. Tout simplement parce que j'avais déjà pris beaucoup d'essence dès le départ. Et ça voudra dire que normalement je vais faire un deuxième arrêt. Et là je vous dis franchement, plus on joue, plus je prends plaisir à jouer à ce jeu. Et c'est pour ça qu'en général les jeux il faut leur laisser une chance. Hein. Souvent je fais des vidéos où j'écoute le jeu. Et effectivement il faut souvent aller un peu plus loin que simplement une heure pour vraiment commencer à comprendre un jeu et en saisir les subtilités. C'est notamment le cas ici. Où plus on avance, et bien plus ça devient passionnant, je dirais pas jusque là, mais en tout cas ça devient beaucoup plus intéressant. Là on est à mi-course. On va plutôt s'arrêter évidemment. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais heureusement on a pu voir aussi les arrêts au stand. Voilà, j'arrive à remonter sur l'IA pour essayer tranquillement. Attention, entre ce. Enfin, n'importe quoi. Stay sharp. There's been a crash. Il y a eu un drapeau jaune. Bon, là j'ai dépassé la voiture qui est à l'arrêt. D'ailleurs, c'était pas mal. Hein. Vous avez vu, il y a un problème mécanique. Elle s'est arrêtée sur le bas côté. Alors, je n'ai pas dépassé ce drapeau jaune. Maintenant, j'ai le droit de dépasser. Ça m'a permis de rattraper la Ferrari devant moi. La Ferrari de Barrichello, normalement. Si je me fie au classement. Alors j'ai pas dit c'est un jeu développé par Eidos dans ses dernières années d'existence. La Ferrari qui essaie de dépasser sur le côté, est-ce qu'elle va réussir? Ouais, oh, elle m'a foutu un vent la Ferrari. On va faire un peu de stick swing pour voir si je peux la redépasser. Ouais, on entend le rupteur, hein. Tac 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 tac, ça claque. Voilà, par contre là j'ai eu un gros accident, j'ai foutu dehors. Là, je vois pas de drapeau noir parce que des fois le jeu il peut être très méchant. Alors je sais que j'ai enlevé les drapeaux, j'ai oublié ce détail. Et pourtant il y avait un drapeau jaune, c'est ça qui m'étonne un peu. Peut-être que voilà, on peut pas se faire disqualifier à cause des drapeaux. En fait, j'ai envie de continuer le jeu jusqu'à finir le Grand Prix pour voir à peu près ce qui se passe et ce qu'on gagne. Donc écoutez, si vous arrêtez la vidéo ici, vous pouvez. Moi je vais juste aller jusqu'au bout de la course. D'accord, je pense que ça va être trop long, mais bon. Aller peut-être jusqu'au bout de la course pour voir un peu ce que ça donne. Donc si vous voulez profiter ici, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est ma foi plutôt sympa. Quelques défauts, mais qui sont pas rédhibiteurs dans le plaisir de jeu. Parce que ça, il faudra retenir. On est 7ème sur. Non, 8ème, 8ème sur 19. Button, Arven, Verstappen. Il y a pas mal d'abandon, mine de rien. On va faire attention à notre quantité d'essence aussi. On va s'arrêter à nouveau. Je fais n'importe quoi. Bon, évidemment, on va s'arrêter si je vois que je suis totalement n'importe quoi au bout d'un moment. Parce que. Le but, c'est quand même faire une performance correcte. En tout cas, je sais que le niveau d'essence, on peut mettre à la mi-course. C'est déjà pas mal. Ah, ouais, d'ailleurs, il nous le dit. Ok, donc on va devoir entrer au stand. On va voir rajouter de l'essence. On a la petite diode qui s'allume sur le côté.
me signe en voyant pour la température que je n'ai pas eu. Peut-être je vais avoir un moment ou un autre dans la course. Ok, je chauffe peut-être trop le moteur. L'huile, je sais pas, mais enfin, en gros, quelque chose qui a rapport avec la température. On n'a pas vu la pluie non plus. Donc là, on va pas jouer les héros, on va. Je pourrais encore faire un tour, hein, mais bon. On va rentrer, on va faire tranquille. La différence, c'est que je n'aurai pas à se faire dépasser par Herbert. C'est que je n'aurai pas à réparer la voiture. Voilà à quel point j'évite d'entrer des stands. C'est vraiment trop rapide. Allez, on va. Sauf-tire, on va faire. Je suis le level. Voilà, et après on va faire Leaf Pits. Ah, je suis à 11 secondes, 12 secondes, 12 secondes d'arrêt, mais c'est pas mal hein, vu le nombre de essences que j'ai rajouté. J'ai pas mis full essence parce qu'on a plus que 6 tours à faire. Je sais pas trop combien de fois je vais devoir m'arrêter. Bon, attention à cette sortie des stands. Ok, donc pour l'instant on est 10ème sur 19. Je sais pas trop les écarts par contre avec les autres voitures. En tout cas, je commence à avoir le maniement bien en main. Et du coup, voilà, ça devient plaisant, vous l'aurez compris. Après, je sais pas trop quoi rajouter sur le jeu, hein, évidemment. À vous découvrir par vous-même un championnat entier, etc. En tout cas, on va la finir cette course, voilà, comme ça au moins on ne va pas patienter pour rien. On aura eu la finalité. C'est à 9 secondes. Je pense que je peux le rattraper, j'ai un bon rythme de course, donc je pense que je peux y arriver. Même si des fois, elle lâche un petit peu lent en ligne droite par contre. Mettre un petit peu trop le long. Ah non, 10 secondes, mais encore plus vite que prévu en fait. Par contre, j'ai super bien pris la chicane, ça c'est bien. En fait, je pouvais freiner continuellement. Ah, par contre, c'est vrai que les freins ont payé là à fond. Hein. Je pensais vraiment qu'au bout d'un moment ça allait bloquer. J'avais pas l'impression que c'était accueilli un petit peu comme en 99 ou 98. Mais en fait, non, on peut vraiment freiner comme un taré. Par contre, la durée de freinage, j'en ai pas trop parlé. Et pour freiner, il faut vraiment freiner avant. Hein. On a 7 secondes de Wurtz. Si on gère bien, on a pu s'arrêter. Je sais pas si les IA vont encore s'arrêter devant nous. Bon, au niveau des gommes, on est moyen. Pas mal d'abandons aussi, hein. On a plus que 19 voitures. Bon, ça fait 3 voitures en moins en fait, hein. Je sais pas où je dis ça. Est-ce qu'on peut remonter sur Wurtz? Je pense que je recommence la course là, on est beaucoup mieux classé, je fais beaucoup moins d'erreurs. Allez, 11ème tour sur les 15. Et on a rattrapé Alexander Wurtz qui est juste devant nous. La question qu'on pourrait me poser, c'est est-ce que je vais faire un championnat sur ce jeu? Parce que potentiellement on a fait des championnats de F1 sur beaucoup de jeux. Je dirais pas, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, faudra que je teste un peu plus en amont et voir si le jeu vaut le coup sur le long terme. Bon là, je l'ai complètement doublé facilement. Alors c'est clair que ne plus avoir le problème de traction control, c'est vraiment une grande aide. Ça aide énormément. Mais en 99, ils avaient le trajet de contrôle, hein. Donc je comprends pas pourquoi on serait obligé de l'enlever forcément pour faire ultra difficile dans le jeu.
puisque réellement il l'avait. Hein. Ils l'ont retiré en 2008. Progression, enfin plutôt un petit patinage. Elle a plus de 3 tours à faire. On a une voiture devant nous, je sais pas si elle est pas un tour cette voiture. Et la rose en 6ème position. On a peu d'infos sur les écarts, c'est dommage. Alors j'en ai quelques fois suivant les secteurs. On va prendre aspiration sur la rose. Waouh. Ouh là, on a failli partir totalement à la faute. Finalement c'est lui qui est parti. Et donc effectivement il y avait une rose en 6ème position. C'est dans les points, mais là je vais la retirer des points à la pauvre. Et je remonte hein, quand même. Je suis vraiment très rapide. Alors, on pourrait même remonter la difficulté légèrement. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, c'est trop facile. T'as battu trop lit. Ouais, je suis vraiment rapide là, franchement. Qu'on a pris le coup. C'est moi ou j'ai pu voir de la pluie? Non, c'est juste les effets graphiques. Bon, par contre, en ligne droite, je suis pas très rapide. Et du coup, je pense qu'il va me dépasser. Est-ce que je vais pouvoir tenir 3 tours au stand comme ça? 3 tours d'essence comme ça? C'est autre chose, sachant que j'ai pris une épée tendre. On verra. Et heureusement pour vous, par rapport à la vidéo, à l'endroit de la vidéo, que je n'ai pas. J'ai mis en pause pour le passage à la super licence. Et c'est vrai qu'on a eu la super licence aussi à passer, c'est pour ça que ça a duré longtemps. Super licence, le mode arcade. Et les coups de gomme, je commence vraiment à être. Ça commence à être compliqué là. À glisser pas mal. C'est là où ça m'inquiète un peu, est-ce que je vais pouvoir tenir les gommes? Alors, on va prendre un pilote, mais je sais pas si c'est un pilote à un tour ou pas. Je crois que c'est une sauveur quand même. Non, c'est une sauveur, donc là c'est un pilote à un tour. On va faire un tour supplémentaire et voir si nous préviennent de la. La durée vie des pneus. Ouh là, je me suis totalement loupé quoi. C'est pas du tout le moment de me louper, mais bon. À deux tours, j'ai envie de les tenter avec les pneus comme ça. Allez. Par contre, je commence à avoir un petit peu du mal à les pneus qui vont marron parce que je suis sorti de la piste, effectivement. Bon, est-ce qu'on s'arrête à nouveau au stand ou est-ce qu'on tente la troisième position? Il dit de changer les gommes. J'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, mais bon, je connais pas les écarts derrière moi. Alors la sauveur elle est bien gentille, mais j'aimerais quand même pouvoir. Écoutez, tant pis, on va aller jusqu'au bout. Des écarts, on va faire un tour supplémentaire, peut-être le tour de trop. Allez, c'est le tour final. Et c'est le tour final. Regardez, j'ai une gomme qui est en train de mourir là, ça clignote. Je pense que je suis en train de perdre le pneu.
le pneu droite. Est-ce que ça va faire comme... Est-ce que ça va finir comme Raikkonen au Nürburgring en 2004, je sais pas. Alors au niveau de l'essence, je suis juste, mais je vais pouvoir finir la course et dans la... Allez, on va faire attention dans un tour. De toute façon, je suis troisième, je suis sur le podium. Peut-être qu'on pourra avoir un... J'ai les trois pneus maintenant, qui commencent à être morts. C'est le tour de trop, hein, j'ai l'impression, mais bon, pour l'instant, ça tient. Je pense que j'aurais mis le mode difficile, là j'aurais vraiment galéré avec la voiture. Bon, y'a personne derrière nous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Un podium en tout cas pour la deuxième course, ça change vraiment de la première, bon évidemment avec le mode... Et en plus la voiture elle part en tête à queue à la fin du, du Grand Prix. Incroyable, bon. Alors qu'est-ce qui se passe quand on termine 3ème en jeu? Ben, on a une félicitation avec évidemment des pit babes un peu partout, hein, toujours un petit peu bof ces histoires, mais bon c'est pas grave. Allez, start bouton. Alors du coup, on va regarder un petit peu les écarts quand même. On va pas les écarts, non, on va juste DNF, mais c'est tout ce qu'on a. Ok. Et De La Rosa finit 5ème sur La Rose. Du coup, on a 4 points. Et au niveau du championnat, ben, on est 5ème. On va lire nos emails et on se laissera évidemment là-dessus. Alors, winning this round. C'était 1 million. On gagne 1 050 000. Et performe, du coup, on est à 307 000. Tout simplement parce que j'ai perdu de l'argent en première course. Du coup, au niveau du recherche et développement, je pense que je vais être juste. Ah, si, j'ai les meilleurs freins. Donc, du coup, je peux acheter une upgrade. Je suis à 307 000 et ça coûte 270 000. Le moteur ça coûte plus cher, la boîte de vitesse. Ah, on pourrait améliorer ça et au niveau du châssis on pourrait faire ça. J'ai envie d'améliorer les freins quand même. Ah, ça pourrait être intéressant. Ou la boîte de vitesse, je sais pas. Bon, en tout cas on peut améliorer donc ça c'est pas mal. Écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. C'était F1 World Grand Prix 2000 sur PlayStation. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!